Faut-il s'attendre à un boom des mariages cette année? En tout cas, les professionnels se réjouissent à l'idée d'une hausse de la demande venant de couples homosexuels. Organiser un mariage coûte de 500 à 2000 euros en décoration et les couples homosexuels n'ont pas l'intention de se priver. Ce sont des couples qui, à mon avis, auront peut-être plus envie, justement aujourd'hui, de prouver que le mariage qui leur est accordé aujourd'hui peut être quelque chose d'exceptionnel. Mais sans pour autant en faire des clients exceptionnels. Créer un univers particulier, je ne pense pas que ce soit une solution. Ce serait quelque part les mettre encore de côté. Si elle est mise en avant aujourd'hui, cette clientèle homosexuelle n'est pas nouvelle pour autant. Le Pax faisant office de mariage, c'était l'occasion d'organiser une belle fête. Et les professionnels du mariage l'avaient déjà pris en compte dans leurs prestations. Ils étaient déjà clients et effectivement, on avait créé des produits, notamment des cérémonies laïques. On mettait en place un décor, tout un décor, une arche avec des fleurs. Et après, je prenais les mariés un à un pour présenter un petit peu à l'assemblée de leurs invités ce qu'ils étaient, ce qu'ils attendaient, pourquoi ils s'unissaient. De cette cérémonie laïque au faire-part de mariage, en passant par des prestations branchées, ce salon du mariage avait tout prévu. Mais la clientèle homosexuelle brillait surtout par son envie de discrétion. Aujourd'hui, les professionnels du mariage s'attendent à de nouveaux clients, décomplexés par la légalisation de cette union. On est comme tous en attente un petit peu de voir ça, les résultats effectivement en termes de chiffre d'affaires. Je pense qu'en tout cas ça va libérer la parole. Une parole libérée et une belle promesse de bénéfices pour l'année à venir. En 2012, les mariages avaient déjà augmenté de 4%, soit 9000 unions supplémentaires en France.